Salut, c'est Lina Bikish et aujourd'hui je vais essayer de vous prouver que les ex, c'est des connards et que ça sert à rien de se remettre avec. Un mec, ça ne change pas. Un connard, ça reste toujours un connard. Je vais essayer de vous le prouver en direct. J'appelle mon ex. Ça fait 9 mois que j'ai pas de nouvelles de lui à peu près. Allô? Salut! Ça va? C'est Lina, tu me reconnais pas? Ouais. Oh, ouais. Ça va, ça va. Écoute, j'ai pris ton numéro chez ton frère. Ça te dérange? Non, pas du tout, pas du tout. Ça va, Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? putain, cache ta joie, t'as l'air super content. Pardon? T'as l'air super content. Non, pas du tout. Pas plus que ça, pas plus que d'habitude. Bref, du coup, je t'appelais pour prendre de tes nouvelles, un peu. Ça fait quand même à peu près bientôt un an qu'on s'est pas parlé, quand même. Ouais, ça fait un bail, c'est clair. Dis-moi, tu fais quoi de ta vie? T'es où? T'habites où? Tu fais quoi? Toujours pareil, hein, écoute, j'ai pas déménagé depuis, j'ai toujours le même boulot. Ah ouais? Pas de choses qui ont changé, à part, voilà, le fait que je suis avec quelqu'un et tout. Ah, t'es en couple? Ouais, bah ouais. Bah, dis donc, ça fait combien de temps? 5-6 mois? C'est cool. Moi, j'ai pas réussi à tourner la page hein, depuis toi. T'as dû le voir sur Facebook que je suis encore célibataire, non? Ah oui. Ah oui, c'est vrai, je t'ai bloqué. Ouais, je t'ai bloqué. Bah oui, parce que je t'en voulais quand même un peu, mais là, c'est bon. Non, en Hein? Tu comprends pas quoi? est-ce que tu es en train de me dire que c'est toi qui as voulu en finir, hein, qui a mis un terme à notre histoire? Ouais, c'est sûr, c'est moi qui ai mis un terme, mais en même temps, c'est toi qui as été infidèle, quoi. Enfin bref, on va pas parler de ça, on va pas parler de ça. On va pas parler de ça, j'aimerais bien te revoir en fait, si ça te dérange pas, si t'es disponible. Oui, enfin je sais pas, moi je pensais aller boire un café d'abord. Ça va pas déranger ta copine? Elle est pas là. D'accord, parce que du coup ce soir je voulais sortir boire un verre avec des copines. Et si ça te dit, on peut se rejoindre après la soirée en fait, finalement. Après la soirée, si tu veux, tu peux venir dormir à la maison si ça te dérange pas. Enfin, si tu veux, j'aimerais bien moi. Ça te fait bizarre? Bah ouais, mais moi ça me manque. Tu penses à moi des fois? Ça t'arrive? D'accord. Bah moi je pense tout le temps à toi. Tu me crois pas trop? Tu me crois pas? Ben, je sais pas, on se dit vers minuit, 1 h du matin, tu me rejoins à la maison? Tu prends des capotes, s'il te plaît? Et t'es un connard, hein? T'es un connard, t'es avec ta meuf, je te dis prends des capotes, tu me dis ouais? T'es vraiment un connard, t'es infidèle, tu changeras jamais, t'as été infidèle une fois, tu le seras toute ta putain de vie de sale bâtard de chien infidèle. Et j'espère que ta meuf va voir la vidéo parce que t'es filmé. Je comprends pas là, tu es en train de faire quoi là? T'es filmé, Là, c'est l'envers. t'es filmé et je vais envoyer la vidéo à ta meuf parce que t'es un connard. Voilà, allez, Vas-y, ciao. même pas. Voilà, aussi simple que bonjour.